Bonjour, mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Merci pour vos likes et vos abonnements, j'adore. Eh bien, aujourd'hui, on va voir un thème. Nouvel homme, qui est-ce? Eh bien, on va voir son caractère, les détails de sa vie et comment votre relation peut évoluer. Eh bien, nouvel homme, qui est-ce? Et vous savez, tout de suite, je dois vous dire que c'est quelqu'un qui a la réussite dans sa vie. Et vous savez, cette carte, elle montre aussi par rapport à son caractère que ça peut être quelqu'un unique. Vraiment, vous savez, il peut avoir des qualités de caractère que les autres personnes n'ont pas. Vraiment, faites attention à lui. Il peut vous apporter dans la vie des perspectives parce que lui, il est quelqu'un chanceux aussi dans sa vie. Il a peut-être une bonne situation, donc stable dans sa vie. Donc c'est possible, mais vraiment, vous savez, c'est comme la vie qui vous donne la chance avec l'arrivée de cette personne. Donc faites attention vraiment donc à cet homme que vous peut-être vous venez de rencontrer. Donc voilà quelqu'un important. Et vous savez, c'est quelqu'un qui réfléchit aussi beaucoup. Il aime gagner par n'importe quel moyen. Comme ça, il attend le résultat dans sa vie. Eh bien, c'est quelque chose d'important pour lui. Qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Justement, là, j'ai la confirmation. Il a vraiment beaucoup de pensées, beaucoup d'idées dans sa vie. Il a vraiment l'esprit très vif, actif. Donc, il veut réaliser tous ces projets-là. Et même, vous savez, s'il y a un risque, donc, vous savez, donc, qu'il y a pour la réalisation de ce projet, il va prendre ce risque et il arrive d'avoir le résultat, donc, dans sa vie. Et vraiment, c'est très important pour lui, la réussite, la force. Alors, c'est vraiment la carte, elle me confirme ce que je vous venais de vous dire. C'est vraiment quelqu'un qui a une belle personnalité. Il a une force intérieure très développée. Il peut être attirant, charmant, charismatique. Donc voilà. Et aussi, vous savez, attirant sexuel, c'est possible peut-être aussi qu'il est pour qui les relations sexuelles sont très importantes. Donc sachez, cela, c'est la carte de la passion. Et peut-être tout dans sa vie, il fait avec la passion. C'est aussi le symbole d'infini qu'on voit ici. Et peut-être avec l'arrivée de ce monsieur, votre relation peut durer avec le temps. Eh bien, qu'est-ce que nous devons savoir d'autre sur sa personnalité? Quelqu'un très actif, rapide, vous devez le savoir, il aime communiquer et peut-être même, après la rencontre avec cette personne, la relation va évoluer très vite. On va voir après les détails, donc plus tard. Eh bien, et voilà ce que je peux vous dire par rapport à sa personnalité. Vous savez aussi, quelqu'un qui est très sage dans la vie, il a une grande expérience, il peut avoir l'intuition qui est très développée, donc sachez cela. Et vous savez, même il peut ressentir avec son intuition et voir des signes dans la vie, voir des rêves qui vont se réaliser donc dans le futur. Donc faites attention à cela. Donc quelqu'un très sensible et qu'il va ressentir aussi les personnes, ses attentions. Donc voilà qu'est-ce qu'il se représente. Et donc voilà. Et quelqu'un très romantique aussi. Alors comment sans sentiments, c'est pas possible. Eh bien, c'est quelqu'un pour qui les sentiments sont très importants également. Il va se montrer quelqu'un romantique. Donc, s'il a une femme à côté de lui, il va attirer son attention vers lui. Il va l'entourer de son attention également. Il aura des petites surprises, compléments. Donc, voilà. Et vous savez, je tout de suite, peut-être c'est vraiment un signe, mais c'est j'ai la carte d'une grande fête. Peut-être même pour certains, ça sera le mariage. Eh bien, vous savez, faites attention vraiment à cette personne, à cet homme qui arrive dans votre vie, parce que pour certaines personnes, ça peut être même un mariage. Pour d'autres, tout simplement que votre relation sera stable, donc dans le futur. Donc voilà, eh bien, comment ça va se passer votre rencontre? Vous savez, pour certains, ça sera pendant le voyage ou peut-être quand vous commencez une nouvelle étape dans votre vie, quand vous êtes en recherche de plus de sentiments, de sensations dans votre vie. Vous savez, peut-être aussi pour certains, peut-être vous arrêtez votre relation amoureuse en ce moment et vous attendez à rencontrer quelqu'un d'autre. Et donc, bien, il va arriver à ce moment-là, il pourra vous apporter
santé, plus de sensations et sentiments. Et justement, voilà, je vois quand même que peut-être vous êtes aussi en manque de cette personne qui peut vous donner ces sensations. Donc, c'est possible. Donc, elle va peut-être arriver à ce moment. Et vous vous posez des questions par rapport à votre vie. Donc, en ce moment, qu'est-ce qui m'attend? Et donc, ma relation amoureuse. Et quand je vais rencontrer la personne, eh bien, elle a le bonheur qui vous attend. Eh bien, vous allez retrouver les réponses. Donc, prochainement, et peut-être avec l'arrivée de ce monsieur, votre vie va changer. Donc, vraiment, si vous avez eu besoin d'avoir des sentiments, donc l'amour dans votre vie, ça va venir avec cette personne. Donc, voilà. Et comment votre relation va évoluer? Et maintenant, je vois l'énergie de madame. Eh bien, madame, vous serez complètement amoureuse. Vous êtes dans les mêmes énergies ici. Et les émotions, les sentiments seront très importants pour vous. Donc, je pense qu'il va vous montrer donc vraiment le bon côté d'une relation amoureuse. Vous serez très contente donc avec lui. Et vous savez, cette relation, ça ne sera pas tout simplement basée sur tout simplement l'amour, les relations un petit peu légères, sans obligation. Ben non, vous savez, dans le futur, elle peut se montrer quelqu'un qui souhaite avoir la stabilité dans sa vie et peut-être même avoir une relation plus sérieuse. Donc avec vous, c'est possible. Vous allez trouver aussi une certaine harmonie donc avec lui, c'est-à-dire que si vous avez eu une déception donc dans votre vie, eh bien avec lui, ça se termine. Il faudra être un petit peu patient pour avoir le résultat. Donc dans le futur, peut-être votre relation, elle ne va pas se développer assez rapidement. Donc voilà, il faut patienter un petit peu, il faut un peu de temps pour avoir le résultat. Et l'amour mutuel. Alors je pense que avec l'arrivée de ce monsieur, vous pouvez vraiment retrouver des bons sentiments, donc des émotions. L'amour arrive dans votre vie, l'amour mutuel. Donc il y aura les rencontres amoureuses. Donc quelque chose de très important. Important, profond, donc que vous pouvez ressentir, et la carte de justice. Alors, c'est vraiment la carte de destin. Ça me montre que vous méritez cette relation. Peut-être c'est vraiment la personne qui va changer votre vie, quelqu'un important qui arrive dans votre vie. Vous devez faire attention à lui. Vous méritez cette relation, vous méritez le bonheur et les sentiments qui vont arriver. Donc, regardez, je vais vous montrer quand même, vous devez le voir parce que c'est vraiment très important. Donc, il y a beaucoup de cartes qui me montrent vraiment le bonheur qui vous attend, donc vraiment la force, les perspectives qui s'ouvrent à vous, la stabilité et le bonheur qui arrive. Donc vous devez donc compter sur cela. Donc dans le futur, eh bien je vais voir les cartes de conseil, comment vous devez vous comporter, le rêve se réalise. L'étoile, vous savez, pour beaucoup de personnes, je pense, cette relation que vous allez avoir dans le futur, ça sera comme un rêve. Et peut-être cette personne, ça sera quelqu'un important dans votre vie qui peut aussi réaliser vos rêves et vous serez très content, heureux. Donc c'est très très important. Vous devez rêver. Tout commence par un rêve. Vous savez, et après, petit à petit, la vie nous donne les chances pour réaliser cela. Eh bien, je vois quand même qu'il y a un bonheur qui vous attend, des bons sentiments, l'amour va arriver dans votre vie. Vous devez croire en cela. Préparez-vous. Votre vie va changer parce que le destin vous appartient.